environ 5h du matin, c'est la bonne heure. Il y a des cerfs qui brament, donc on va essayer de les voir, et encore mieux de les photographier. Mais si on n'y arrive pas, c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'y être et de prendre du plaisir. En avant. Quelque chose arrive, c'est bien, mais si ça vient pas, c'est pas grave. C'est pas nous qui décidons quand on est en affût, c'est les animaux, ils font ce qu'ils veulent. Il faut juste capter l'instant s'il arrive, et puis s'il arrive pas, c'est pas grave, quoi. Dans le viseur, je commence à voir, je me dis, mais c'est quoi ce cerf, quoi? Purée, j'ai un colosse devant moi, mais c'est pas possible, il est magnifique, c'est quoi cet animal, quoi? Et ensuite, il apparaît vraiment, et quand je le vois là, j'ai une montée de bonheur, quoi. C'est une montée de bonheur, de plaisir, de beauté, cette beauté, c'est. Et là, bon, ben, ça, voilà, c'est ce qui m'arrive en ce moment, d'en reparler, la chair de poule et tout. Et là, je ne peux plus faire de mise au point. Je suis en mise au point manuelle. Et je fais des photos quand même. Mais après, bon, les photos sont effectivement floues. Et c'est les dernières photos qui sont à peu près bien. Là, je reste vraiment stupéfait, quoi. Et je me dis, ça, c'est. Quelle beauté. Mais ça, c'est. Il n'y a pas de superlatif assez fort pour décrire ce qu'on ressent quand on croise un animal comme ça, quoi. Et c'est après coup, je me dis, mais purée, cet animal, qui est-ce qui serait assez vaniteux pour oser lui arrêter la vie, quoi? C'est impossible de décider d'arrêter la vie d'une bête comme ça, quoi. Je me suis dit, il faut vraiment que je fasse quelque chose pour qu'il soit épargné, cet animal, parce que la forêt de chaux, sans lui, c'est plus la forêt de chaux, je crois que c'est l'âme de la forêt. Et je pense qu'il faut l'épargner et lui donner le droit de vivre jusqu'au bout et de mourir naturellement.
J'ai rencontré vraiment un être divin et j'ai vraiment le sentiment d'être un élu, d'avoir eu ce bonheur-là, quoi, que je souhaite à tout le monde.